Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette première intervention de ce nouveau cycle BiblioGrill organisé par la BPI et diffusé sur le site et la page Facebook de BPI pour les professionnels. Dans le cadre de la mission de coopération nationale de la BPI, nous avons en effet souhaité donner la parole à des collègues confrontés à des problématiques épineuses. Pourquoi BiblioGrill, me direz-vous ? Parce qu'avec nos intervenants et intervenantes, nous allons aborder des sujets parfois brûlants du monde des bibliothèques qui suscitent le débat et interrogent les pratiques professionnelles, mais aussi des sujets qui réchauffent tant ils prouvent la formidable capacité d'adaptation des bibliothèques et les trésors d'inventivité des bibliothécaires. Après une quinzaine de minutes d'intervention, ce sera à vous de jouer. Vous aurez la possibilité de poser vos questions en commentaire de la vidéo. Vous pouvez le faire dès à présent. Elles seront posées à la fin à nos intervenantes. Nos intervenantes d'aujourd'hui, que je remercie d'inaugurer ce nouveau cycle avec nous, je vous les présente dès maintenant. Raphaël Gilbert, bonjour. Bonjour. Marion Moulin, bonjour. Bonjour. Alors, Raphaël Gilbert, tu es actuellement chargé de mission inclusion numérique et évolution des métiers des bibliothèques au ministère de la Culture. Et Marion, tu es actuellement directrice des bibliothèques de Gentilly. Mais précisons tout de suite que ce premier BiblioGrill est en mode retour vers le futur, puisque nous allons parler d'une précédente expérience que vous avez eue toutes les deux au sein des médiathèques de Choisy-le-Roi, dont tu étais alors la responsable, la directrice, Raphaël, entre 2013 et 2020, et Marion, tu en étais la responsable des partenariats et du développement du public de janvier 2018 à décembre 2020. Merci à toutes les deux pour votre participation. Et sans plus attendre, je commence peut-être par une première question pour permettre à ceux qui nous suivent de comprendre de quoi nous allons parler, en vous demandant d'abord quelles ont été les difficultés et même les violences, puisque c'est le thème de ce BiblioGrill, auxquelles l'équipe de Choisy-le-Roi a dû faire face à l'époque. Raphaël, je te laisse peut-être commencer. Oui, merci Jean-Baptiste. Alors, en 2013, à Choisy-le-Roi, nous avons ouvert une nouvelle médiathèque centrale dans un nouveau quartier en bord de Seine. Très vite, nous avons connu un afflux massif de public, notamment beaucoup d'enfants seuls qui venaient passer la journée, voire les vacances à la médiathèque, beaucoup d'adolescents, si bien que nous pouvions avoir 200 enfants et adolescents dans les murs à 16 heures avec très peu de présence parentale. Entre 2013 et 2018, nous avons dû faire face à de nombreuses incivilités. Elles étaient quotidiennes, du chahut, des difficultés à faire respecter le règlement, à faire cohabiter les publics de manière sereine. À partir de 2018, la situation s'est dégradée et nous avons connu des situations de violence, des agressions, des menaces, des bagarres, des courses-poursuites qui se terminaient dans la médiathèque, des chiens d'attaque au rez-de-chaussée, des trafics. La situation s'est dégradée progressivement, si bien qu'en 2019, nous avons fini par perdre le contrôle de la situation. Nous n'avons plus été en capacité d'assurer ni la sécurité du public, ni celle des agents. Ce qui nous a poussé à faire valoir, en octobre 2019, notre droit de retrait. Après 5 semaines de fermeture, nous avons réouvert une médiathèque qui s'était transformée, que nous avions du mal à reconnaître, pour ainsi dire, une médiathèque très sereine, avec une cohabitation des publics qui se passait beaucoup mieux. Cette situation est restée stable jusqu'à mon départ de la médiathèque en janvier 2021, malgré les aléas, évidemment, du Covid que nous avons connu. Merci, Raphaël. Alors, je vous propose pour compléter et pour permettre à ceux qui nous suivent d'avoir après l'état de départ que tu nous as exposé, Raphaël, l'état d'arrivée, le côté peut-être plus positif, l'avant-après d'une certaine manière, et que vous nous précisiez toutes les deux comment vous avez fait pour arriver à cette réouverture réussie, les étapes de sortie de crise, les partenariats et bien d'autres choses que vous avez mises en place. Alors, il n'y a pas eu de coup de baguette magique, mais surtout un changement d'approche et de méthode, en réalité. Entre 2013 et 2018, nous avons mis en place beaucoup de choses, des solutions surtout adaptatives. Nous nous sommes formés à l'accueil, nous avons renforcé le personnel présent dans les murs en instaurant des postes volants. En bref, ce sont des collègues qui se déplaçaient d'espace en espace en fonction des flux et des difficultés que nous pouvions rencontrer. Nous avons déterminé des procédures en cas d'incivilité, mis en place des séances d'immersion. Les jeunes qui avaient fait des bêtises devaient venir, par exemple, raconter des histoires aux enfants pour avoir le droit de revenir à la médiathèque.
Nous avons rencontré les parents, nous avons diversifié les profils en faisant venir des collègues du social, des métiers de l'animation, en les positionnant sur des postes de médiateurs. Nous avons aussi créé des conventions avec les collèges de la ville pour accueillir toute une classe d'âge, les quatrièmes, lors de nos accueils de classe. L'enfance et la maison de la jeunesse sont venus pendant les vacances scolaires en renfort pour nous aider à gérer les difficultés. Nous avons aussi créé un espace ado. Alors, toutes ces méthodes mises en place, elles ont amélioré un petit peu la situation. Donc, nous en étions à des incivilités, mais elles n'ont pas pu enrayer la dégradation quand nous sommes arrivés à des situations de violence. Et avec le recul, je dirais également que ces méthodes adaptatives, finalement, n'ont pas permis de régler le problème et ont certainement retardé la mise en place de solutions qui étaient davantage des solutions structurelles. Et du coup, donc, comme l'a dit Raphaël, il y a eu un changement de paradigme en 2018 et la situation a vraiment commencé à dégénérer en 2019, à l'été 2019. On a eu, à partir du mois d'août, une montée des violences, des situations conflictuelles, que ce soit dans la médiathèque ou aux abords immédiats, mais qui du coup avaient des répercussions évidemment sur ce qui se passait à l'intérieur de la médiathèque. Et après une semaine particulièrement éprouvante et difficile en octobre 2019, l'équipe a décidé, dans sa globalité, à l'exception d'une personne, d'exercer son droit de retrait et a ainsi acté que la violence qu'on subissait tous était inacceptable et que ça ne pouvait plus durer. Suite à ça, concrètement, le maire a décidé en fait de fermer la structure pendant 3 semaines. On a eu une fermeture administrative pendant 3 semaines et avec plusieurs qui nous a laissé le temps en fait hein, pendant ces 3 semaines de réenvisager une ouverture beaucoup plus sereine avec plusieurs étapes. Déjà, le changement principal, ça a été que à partir de ce moment-là, c'était plus le problème de la médiathèque, c'était plus la seule crise de la médiathèque, mais de toute la ville et de la direction générale. Et la direction générale, enfin, on a vraiment changé d'échelle, en fait. La direction générale a pris le sujet à bras-le-corps et a notamment impliqué l'ensemble des partenaires, que ce soit les partenaires sociaux, éducatifs, prévention, sécurité, les sports, enfin, vraiment tous les partenaires ont été mis dans la balance, finalement, et dans la résolution de crise à nos côtés. La première chose, on a eu une journée donc partenariale la semaine qui a suivi le droit de retrait, qui a été organisée par la direction générale, où tous les partenaires étaient présents, ce qui nous a permis, alors déjà nous en tant qu'agents de médiathèque, de réexpliquer ce qu'on vivait au quotidien, que tout le monde ait le même niveau d'information sur ce qui se passait dans le quartier et à la médiathèque. Et puis, deux questions, on a eu plusieurs petits groupes de travail, en fait, et deux questions ont été posées aux partenaires. La première question, c'était en quoi la médiathèque est une ressource pour vous? Et la deuxième, en quoi pouvez-vous être une ressource pour la médiathèque? Et ça a vraiment permis de travailler, en fait, sur les relations entre nous, mais surtout sur les représentations qu'on pouvait avoir les uns des autres, finalement, de nos métiers respectifs, et mettre à plat aussi certains points de tension ou de crispation qui avaient pu... émerger au fil des ans avec d'autres partenaires, notamment le service jeunesse et les animateurs du service jeunesse. Ça a été la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a en fait décidé de changer les règles d'accueil, de changer la façon dont on allait accueillir les jeunes, avec la mise en place notamment d'une charte. Alors le premier élément, avant, les jeunes avaient le droit de venir à la médiathèque seuls à partir de 7 ans. Ce qui était très jeune. On avait un peu tendance, comme beaucoup de médiathèques en France, à faire office de garderie. Donc ça a été le premier changement. On a décidé de remonter l'âge à 10 ans. Donc changement sur le règlement intérieur. Et après ça, on a décidé de rouvrir en faisant signer une charte à l'ensemble des mineurs entre 10 et 18 ans, qui viennent seuls ou qui soient accompagnés de leurs parents. Et donc c'était plutôt un contrat, en fait, une sorte de contrat moral qu'on passait avec les jeunes, où nous, on s'engageait à un certain nombre de points, eux aussi, donc évidemment des points de respect hein, du personnel, des autres publics, du matériel et des lieux, mais aussi on demandait aux jeunes de s'engager à utiliser les services de la médiathèque. On est arrivé à une situation où on pouvait avoir parfois 200 jeunes qui étaient là dans tous les espaces, sur tous les après-midi, qui avec un flux qui était absolument ingérable et qui n'était là que pour utiliser le Wi-Fi ou pour charger leur téléphone, en gros. Donc là, il y avait vraiment un changement de paradigme et réexpliquer à quoi on servait et pourquoi ils pouvaient venir à la médiathèque.
Ça a été un moment assez intense, la signature des chartes, parce que en fait, on a fait signer 1200 chartes en 4 mois environ, les 4 mois qui ont suivi la réouverture. Et ça faisait des mois, voire des années, qu'on se concentrait sur 20 jeunes, en gros, qui pouvaient nous poser des difficultés. Et là, d'un seul coup, on s'est rendu compte qu'il y en avait 1200 autres. Et puis, il y a eu beaucoup, beaucoup d'échanges, hein, finalement, avec les parents, avec les jeunes eux-mêmes. On s'est rendu compte que cette peur qu'on ressentait depuis des mois, finalement, elle était partagée, hein, que c'était pas que notre imagination de notre côté. Ça a été vraiment un très beau moment. On a réouvert progressivement la médiathèque sur 5 semaines, avec une ouverture uniquement les mercredis et samedis. Et là encore, accompagnée par tous les partenaires. C'est-à-dire qu'on avait des stands à l'entrée pour faire signer donc, ces fameuses chartes. Et sur les stands étaient présents tous les partenaires qui avaient assisté à la réunion qu'on avait fait juste après le droit de retrait. Donc il y avait des animateurs de la jeunesse, il y avait les centres sociaux, il y avait les sports. Et à la fois, ça a eu pour effet de faire connaître les autres services et du coup, ramener un peu sur nous nos missions principales à la médiathèque. Mais ça a aussi été un soutien pour toute l'équipe parce qu'on a vu un très bel élan finalement de solidarité de nos collègues de la ville qui étaient là pour nous accompagner et aussi bah, nous remettre en confiance et nous dire que bah, oui, c'était notre public, c'était le public de toute la ville et pas que le public de la médiathèque et que tout le monde allait s'en occuper avec nous. Donc, ça a été plutôt positif. Peut-être Marion, si tu veux bien, on reparlera des partenariats parce que finalement, ce qu'on n'a pas encore dit, on l'a gardé pour la suite, mais nos téléspectateurs, je ne sais pas comment les appeler, peut-être leur expliquer en deux mots, cette recherche-intervention de la psychosociologue Joëlle Bordet qui vous a accompagné. Donc, je vous propose peut-être dans un premier temps de dire en deux mots en quoi ça a consisté et puis pour se concentrer après sur les apprentissages que vous en avez retirés. Tout à fait. Alors, je vais vous présenter un petit peu la recherche intervention dont nous avons bénéficié. En fait, en 2019 et 2020, la médiathèque de Choisy a bénéficié d'une recherche intervention qu'elle copilotait avec l'ABF et la BPI, qui portait à la fois sur le rôle social de la médiathèque, sur les fonctions, mais aussi les limites du modèle de la médiathèque troisième lieu et sur la recherche d'une cohabitation plus sereine entre les publics. Alors, cette recherche-intervention, elle a été conduite par une chercheuse psychosociologue qui s'appelle Joëlle Bordet. La psychosociologie, c'est la psychologie des interactions sociales. Bon, bref, Joëlle Bordet, elle est spécialisée sur les jeunes des quartiers populaires, la lutte contre la violence, et c'est une très bonne connaisseuse de la sociologie urbaine, ce qui nous a beaucoup aidé dans le processus de résolution de la crise que nous rencontrions. Alors, une recherche-intervention, juste en trois mots, pour poser le cadre, ce n'est pas une recherche sociologique qui sert à produire de la connaissance sur un objet. En fait, c'est un outil de changement, de transformation. Ça sert à produire, à coproduire avec les porteurs de projets de la connaissance qui va servir, en fait, à ce qui se passe, et non pas de la connaissance sur ce qu'il se passe. Ce que nous a montré cette recherche-intervention, c'est que finalement, nous nous trompions d'objet. En fait, nous avions pris la violence, la crise, comme des objets et nous avions oublié qu'ils étaient les symptômes et non pas nos objets de travail. Alors, nous avions mis en place, et je vous en parlais tout à l'heure, des méthodes adaptatives, plutôt monodisciplinaires, axées sur la résolution de problèmes. Et en fait, d'une certaine manière, la crise et la violence, les incivilités ont fait écran. Nous les avons pris pour nos objets de travail pendant plusieurs années et la recherche nous a permis de changer d'objet. Donc, c'est en abandonnant finalement ce qui était le cœur de nos préoccupations, c'est-à-dire le troisième lieu, les incivilités, la violence, la souffrance de l'équipe, et en regardant ailleurs que nous sommes parvenus à une résolution, ou en tout cas à une très nette amélioration de la situation. Et alors, du coup, justement, quels en ont été les apprentissages? Qu'est-ce que vous avez retiré de cet accompagnement de Joëlle Bordet? Je crois qu'il y a différents points. On a évoqué les partenariats tout à l'heure. Je vous laisse développer tout ça. Je ne sais pas, Raphaël, peut-être. Alors, peut-être, juste avant d'aborder les apprentissages, Marion peut développer ce vers quoi s'est tourné notre regard une fois que nous avons abandonné nos objets de travail habituels. Oui, bien sûr. C'est ça. En fait, l'approche de la recherche-intervention, c'était d'abord et avant tout une approche systémique et une approche vraiment interactionnelle sur le rôle des acteurs de chacun et comprendre comment nous, médiathèques, on faisait partenariat, comment on était un rouage finalement de toute la mécanique partenariale du territoire et non pas juste du quartier.
Ce qui a été très intéressant, c'est que Joël Bordet nous a fait travailler sur l'environnement socio-urbain aussi, parce qu'on avait complètement, pas, on l'avait pas complètement négligé, mais quand même fait de façon très très parcellaire, mais de comprendre finalement quelle était l'histoire de ce quartier et des gens qui y résidaient, quartier qui s'est créé et quasiment construit quasiment en même temps que la médiathèque, hein, et de comprendre comment les conflits qui traversaient le quartier, de fait, allaient entrer à la médiathèque et traverser aussi la médiathèque. Et puis surtout, on a travaillé sur les usages réels et plus sur l'idéalisation finalement et nos représentations idéales du métier. Il y a eu vraiment une fonction de cette recherche-intervention qui a été de nous ouvrir les yeux, hein. Il y a eu vraiment une remise en question de certaines valeurs sur lesquelles on pouvait fonder notre activité, le sens, l'identité finalement des médiathèques. Pour être très concrète, par exemple, devant tous les jeunes qui venaient à la médiathèque, qui étaient extrêmement nombreux, une des réactions était de dire il vaut mieux qu'ils soient à la médiathèque plutôt que d'être dans la rue, même s'ils ne font rien chez nous. On est très nombreux, moi la première, hein, j'étais longtemps à soutenir finalement cette idée-là. Et bien quand on se confronte au réel et qu'on voit ce que ça donne en réalité, ben, finalement on a un peu changé de paradigme. Et puis surtout, on a pris conscience que le fait de les avoir tous à la médiathèque et d'être devenu le seul lieu d'accueil de la ville pour les jeunes, en ayant perdu toute fonction et toute fonctionnalité en tant que médiathèque, on ne laissait plus aux partenaires la possibilité de prendre leur place. C'est-à-dire que s'ils sont... Il y avait un va-et-vient permanent de notre part entre le dehors et le dedans. Vous l'avez peut-être vu sur les photos qui sont passées au tout début, mais cette médiathèque, elle est construite, elle est en zone inondable, donc elle est construite sur pilotis. Il y a cet immense préau en dessous, moi j'appelais le No Man's Land, qui est un endroit qui n'a pas de définition propre, en fait, on ne sait pas vraiment son identité. Et du coup, on avait un peu tendance à nous faire figure d'autorité sur cet espace qui était aussi à la croisée avec l'espace public, avec le quartier. Donc, on s'était complètement perdu finalement dans nos fonctions. Donc, la recherche-intervention nous a aidé aussi à nous reconcentrer sur notre lieu et notre lieu uniquement. Voilà, donc ça a été... L'autre exemple que je pourrais donner, c'est de dire, même s'ils font rien, qu'ils sont dans les lieux, ils vont quand même en tirer quelque chose. Ça, c'est la même chose. En fait, notre temps a été tellement pris sur la gestion des comportements et des flux à l'intérieur que notre mission première de transmission, elle était devenue complètement impossible. Donc ça, on a dû retravailler sur ça aussi. Et finalement, tu nous interrogeais, Jean-Baptiste, sur les apprentissages. Le premier apprentissage, ça a été de reconsidérer la place et le sens du conflit. En fait, on avait ouvert ce lieu, on avait projeté beaucoup d'idéal, évidemment, hein, sur cette nouvelle médiathèque. On la voulait vivante, très mixte socialement, avec des services innovants, diversifiés. Et au quotidien, nous étions confrontés au conflit, mais que nous continuions à considérer comme une anomalie, comme un problème. Nous visions l'absence de conflit. Et cette crise, elle nous a poussé à nous confronter un peu plus au réel qu'à l'idéal, certainement, et à reconsidérer la place du conflit. D'abord à accepter le fait qu'on ne pouvait pas faire cohabiter les publics dans une vraie mixité sociale, faire société sans conflit. La deuxième chose, ça a été de reconsidérer, nous, notre place au sein du conflit. Nous sommes sortis d'un statut de victime du conflit. La médiathèque n'était pas victime du conflit, mais elle était le théâtre d'un conflit qui, en fait, débordait ses murs et était présent dans le quartier. Et ça, ça nous a permis aussi, alors ça ne signifie pas évidemment qu'il n'y avait pas de dommages pour l'équipe, mais par contre que nous avions un rôle actif à retrouver dans la résolution du conflit finalement, qui la résolution de la crise, ça ne passait pas par la gestion de la souffrance ou par la gestion de la crise, mais par l'appui sur nos ressources, nos compétences et notamment notre fonction culturelle. Et ça nous a poussé à reconsidérer, c'est un peu le deuxième point, la question de l'accueil. Là encore, nous avions voulu un accueil très large autour de services très diversifiés et à travers une communication très attractive, assez désinstitutionnalisée. Et le premier point pour nous, ça a été de refaire autorité. En fait, on passait tout notre temps à retenter de mettre le cadre. Donc, il a fallu accepter de redonner des règles du jeu plus claires, plus resserrées, pour que la médiathèque retrouve une fonction et puisse être identifiée. Ça ne signifie pas, là encore, qu'on n'avait pas de règles, mais elles n'étaient pas assez identifiées et pas assez explicites. Et puis, nous avions aussi des réticences à franchir certaines limites qui nous semblaient risquer d'exclure certains publics, alors qu'en réalité, ça leur a permis finalement de dépasser la situation de conflit et de confrontation pour permettre une mixité sociale qui, cette fois, était réelle.
Ce que nous avons compris aussi à travers la recherche intervention, c'est que la médiathèque, ce n'était pas la place publique. Et je pense que là, à force de penser la médiathèque comme une agora, une extension de l'espace public, ce qui, je pense, est certainement encouragé par le fait que dans les villes, l'espace public se réduit. Alors, quand on construit une médiathèque, on a envie d'en faire une agora pour récupérer un petit peu de cet espace entre les gens. Mais du coup, nous avions perdu de vue le fait que la place publique, ce n'est pas le lieu public. Et à force de centraliser toutes les fonctions culturelles, sociales, éducatives, numériques, finalement, la médiathèque se confondait elle, avec la place publique. Elle était devenue anomique, en quelque sorte. Et l'accueil ne se faisait plus tant en fonction de notre métier, de notre fonction, mais qu'en fonction du public et des problématiques quotidiennes qui s'ensuivaient. Tandis qu'un lieu public s'est articulé autour d'une fonction, avec un règlement qui est nécessairement un peu plus resserré. Et à travers ce travail, ce que ça nous a permis, c'est de retrouver une fonction, puisque finalement, cette fonction, elle n'était plus perçue. Les jeunes qui venaient à la médiathèque avaient complètement oublié qu'ils étaient dans une médiathèque. Ils venaient à peu près pour tout, sauf pour la médiathèque, finalement. En fait, ils ne distinguaient pas, ça on s'en est rendu compte, ils ne distinguaient plus la différence entre les différents lieux publics qui étaient présents pour les accueillir au sein de la ville, la maison de la jeunesse, la médiathèque notamment. Et du coup, nous ne jouions plus de rôle de médiateur culturel à leur égard, nous étions un peu phagocytés par un rôle de médiateur des comportements. Et ce à quoi la recherche nous a ramené, c'est qu'on n'accueille pas simplement à partir d'un public qu'on a voulu mettre au centre, mais on accueille toujours à partir de quelque chose. Et nous, nécessairement, au centre, il y a la culture, l'information, et que la médiathèque, finalement, ne pouvait plus être le lieu de centralité de l'accueil des jeunes, mais devait rester ce lieu de la culture et de l'information au service de toute la population. Ce qui a induit que nous reprenions la bonne place au sein du système partenarial présent sur la ville. Et là, je passe la parole à Marion. Oui, voilà, très rapidement, parce que je vois qu'on a déjà été très bavarde et qu'on n'a plus beaucoup de temps. Mais c'était très intéressant. La preuve, on a plusieurs questions qui nous sont parvenues. Donc. Bon, bah, super. Mais juste pour terminer, donc j'en ai déjà un petit peu parlé, mais l'autre grand apprentissage, ça a été sur la question partenariale. Et effectivement, ça nous a permis de sortir un petit peu du mode projet dans lequel on est tous depuis pas mal d'années et qu'on nous apprend à mettre en place, mais de se reconcentrer sur un partenariat finalement de lien, d'apprendre à se connaître les uns les autres. Cette question d'avoir une vision commune finalement de notre travail, elle a été centrale, de connaître, de travailler sur les représentations qu'on avait les uns des autres et de faire tomber certains stéréotypes finalement et certains... impensé qui pouvait rester sur nos professions, notamment par rapport aux acteurs socio-éducatifs, hein, je pense, hein, autour de la jeunesse, ça a été vraiment central et ça nous a permis, nous, de travailler sur ce qu'on a appelé le déplacement de fonction et de vraiment, en équipe, collectivement, tout le temps se poser la question de se dire est-ce que là j'agis en tant que bibliothécaire ou est-ce que je prends la place d'un autre partenaire éventuellement, parce que non pas parce qu'on en avait forcément envie, mais parce qu'il n'y avait pas cette présence partenariale-là sur le quartier, parce qu'il n'y avait pas les autres services et qu'on se sentait quelque part obligé de le faire. Et ça, le déplacement de fonction, ça a été vraiment un travail énorme qu'on a presque fait finalement étape par étape, et puis projet par projet, à toujours se poser la question, est-ce que là je fais vraiment mon travail ou est-ce que je suis en train de faire autre chose ? Et ça a été très important. Et peut-être pour conclure... du coup vous vous en doutez, enfin là on a parlé de quelques axes, mais forcément ça a été une recherche intervention qui a été conduite sur 3 ans et qui a remis en cause énormément de choses sur nos pratiques quotidiennes et sur, y compris sur notre organisation, et on a tiré d'autres apprentissages très importants, que ce soit en termes de ressources humaines, d'organigramme, de recrutement. Voilà, ça a eu d'autres impacts évidemment sur la vie de l'équipe et sur la vie de l'établissement. Ben merci déjà à toutes les deux pour, c'était je pense passionnant, la preuve, nous avons plusieurs questions, donc sans tarder je vous les pose. On a déjà plusieurs personnes qui vous interrogent, donc je vais prendre cette question-là, mais c'est revenu plusieurs fois, sur la solution adaptative que vous aviez appliquée d'ados qui devaient lire des histoires pour pouvoir revenir. Une collègue nous dit « ça m'intéresse, pourriez-vous en parler un peu plus ?» Donnez vos retours sur cette expérience ainsi que les réactions des jeunes. Et je complète aussitôt par quelqu'un qui trouve aussi que c'est assez positif. Donc, je ne sais pas si vous pouvez en détailler en quelques mots, parce qu'effectivement, nous avons peu de temps finalement pour les questions. Tu veux répondre, Raphaël, ou je ne sais pas. Peut-être que tu peux répondre, comme c'est dans ton domaine.
Du coup, quand un jeune était exclu pour X raisons, genre généralement pour des questions de comportement, on avait mis en place un processus qu'on appelait des séances d'immersion pour pouvoir revenir en fait à la médiathèque. Et il y avait un certain nombre de critères pour pouvoir réintégrer la médiathèque. La première chose, c'était de respecter la durée de son exclusion, ce qui n'était pas forcément évident pour tous. Deuxième chose, c'était un rendez-vous avec l'un des représentants légaux, un parent si possible, et pour revenir sur ce qui s'était passé avec lui. Et troisième étape, c'était faire donc ce qu'on appelait la séance d'immersion à la médiathèque pour pouvoir revenir. Et là, c'était vraiment l'idée de, que les jeunes se rendent compte du quotidien de bibliothécaire aussi et prennent conscience qu'il y avait d'autres publics dans la médiathèque qu'eux, en fait, puisqu'ils étaient déjà en surnombre de façon générale dans les ouvertures au public. Là, c'était voir d'autres choses. Donc, il y avait effectivement parfois participé à des racontines, donc lire des histoires aux tout-petits, mais ça pouvait être aussi accueillir des publics adultes, être sur des temps de rangement avec l'équipe. Voilà, c'était vraiment participer au quotidien de l'établissement. Alors, une autre question, quelqu'un nous demande si vous pourriez préciser la réaction globale des parents sur ce dispositif de faire signer la charte par des enfants à partir de 11 ans. Extrêmement positif. Ça a été un très gros soulagement de la plupart des parents qui nous ont dit qu'ils ne voulaient plus que leurs enfants viennent parce qu'ils avaient peur pour eux et que c'était très bien. Enfin, ça a libéré la parole, en fait, ce moment d'échange. Alors, une autre question pour toi, Marion. Ça sera peut-être la dernière, d'ailleurs, on verra. Comment se sont noués les partenariats? Et on te demande de préciser les moyens humains, financiers, la formalisation, qui a mené le partenariat, comment, et aussi le positionnement de la tutelle. Donc, ça fait beaucoup de questions sur les partenariats. Je te laisse. Pour essayer de résumer, on avait déjà de très nombreux... Alors, Choisi, c'est un organigramme transversal, c'est-à-dire qu'on a un secteur développement des publics avec des référents qui sont en charge de tous les partenariats pour, en gros, tous les âges, des tout petits jusqu'au public empêché, personnes âgées, etc. Et ça, c'était le pôle donc, dont j'étais responsable. Concrètement, il y avait déjà énormément de partenariats en place, davantage sur des partenariats de projet, pas toujours établis avec des conventions ou des fiches derrière, parfois informelles. Là, ça a été à partir du droit de retrait, l'enjeu, ça a été de remettre tout le monde autour de la table ensemble, réexpliquer tout ce qui se faisait, que tout le monde en ait connaissance. Et après ça, avec la directrice de la culture, j'ai eu des rendez-vous individuels avec chaque en fait, responsable des autres secteurs, chaque partenaire, pour reconsolider le partenariat et remettre sur la table ce qu'on pouvait faire ensemble. Voilà. Et peut-être de fait, ça s'est un tout petit peu interrompu avec le confinement, mais ça continue en fait. Voilà. Peut-être qu'on peut préciser que l'un des éléments clés de cette logique partenariale qui a été retravaillée, c'était vraiment l'implication de la direction générale, très fortement impliquée, pour créer une dynamique partenariale entre les acteurs culturels, sociaux et éducatifs. Et sans cette action assez volontariste de la direction générale, tout seul, en fait, nous ne pouvions pas porter cette nouvelle façon de travailler. C'est ça. Et l'autre idée que nous avait soufflée Joëlle Bordet, donc la psychosociologue avec qui on travaillait, qu'on n'a pas pu mettre en place, d'une part parce qu'on est parties toutes les deux et puis la situation sanitaire ne l'a pas permise, c'était de garder, puisque finalement on a refait une réunion avec tous les partenaires en octobre 2020, je crois. Pour un petit peu expliquer la sortie de crise, hein, finalement, et faire le bilan de tout ce qu'on avait vécu. Et son idée, c'était de poursuivre ça. Et que finalement, c'est plutôt que d'avoir que des moments individuels avec chaque partenaire, de maintenir une ou deux fois par an une réunion plénière avec tous les partenaires animée par la médiathèque. Bien, merci. Merci Raphaël, merci Marion. Merci pour vos présentations et vos éléments de réponse qui, je pense, seront éclairés nos collègues. Merci à vous de nous avoir suivis et pour ces questions qui ont suscité des échanges et qui en susciteront encore, j'en suis sûr. Merci aussi à la régie, à Renaud et Alexandre pour la réalisation technique. Nous vous donnerons rendez-vous pour le deuxième Bibliogrill qui est prévu le 11 mai à 11h sur la question de l'accueil du public très précaire en bibliothèque. D'ici là, bien sûr, vous pouvez suivre nos actualités sur notre page Facebook et notre site BPI pour les professionnels. Et pour être sûr de ne rien rater, n'hésitez pas à vous abonner à notre lettre d'information mensuelle. Bonne journée à tous et toutes. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir et merci.